Eh bien, salut tout le monde, c'est Xa, on se retrouve aujourd'hui pour un petit commentary d'un match que j'ai fait sur Pokémon Showdown, donc dans le tiers OU, contre Legacy 69. Donc, ma team, c'est plus une team en fait Tempête de Sable et qui a un nocif qui la ramène. J'ai Ben Sable donc sur mon Minotaupe et Force Sable sur mon Kershakrok. Armure, donc je joue donc Rocky Helmet, simplement Stal Défense et Latias Stal Défense P. Avec quand même une PC seule pour bah, en fait un petit peu pour un petit peu les high train, bref. Et Fulgurus qui est mon taunt, mais bon, j'y reviendrai à la fin, on va tout de suite lancer le combat. Donc j'envoie Thunderous, il envoie en lead Tran, donc du coup je savais qu'il allait placer les Steelwax, du coup je le taunt, il peut pas placer les Steelwax, j'ai fait Volt Switch, et au pire des cas il me faisait que Lava Plums, parce qu'il avait pas fait Hard Power, du coup je mets la Tias, il fait Lava Plums, j'ai raison, et donc du coup là je fais une PC Sol, il switch sur Clefable, c'est vrai que c'est assez quand même connu de mettre une PC Sol sur la Tias, bref, donc du coup je switch sur Tyranocif, je mets la Tempête Sable, ça augmente ma défense spéciale, donc sur la Tempête Sable, et donc je tiens Moonblast plutôt facilement, ensuite j'envoie Minotaupe, il fait Calmine. Sauf que mon Minotaupe n'a pas Force Sable, il a Main Sable, donc avec Life Orb. Du coup, ça fait qu'il a la vitesse x2, et enfin, soit Tempête Sable. Et il tient très bien. Hein, il fait énormément de dégâts grâce au Life Orb. Donc là, il a fait U-turn avec son Talon. Il fait Chance Beam, je tiens, je place les Steel Rocks, et il va pas prendre de risque au cas où si je le sais. Et il va faire Hyper Voice, du coup ça va me tuer bien évidemment. Je vais envoyer Thunderous et faire Volt Switch. Du coup je switch sur Kershakrok, il fait Champ de Beam, en fait je savais qu'il allait faire Champ de Beam vu que c'était fait un Fulguris, il était type Vol, du coup j'ai envoyé Kershomp. Il va envoyer donc son Aqualie qui va tenir le Iron Head plutôt bien. J'ai pas en fait tout de suite méga évolué donc Kershakrok parce que je voulais encore pas trop qu'il sache, mais bon... voilà quoi, Tyranocif qui vient juste pour la tempête, ça puis qui repart, voilà. Donc du coup je décide de laisser mourir Tyranocif et donc de laisser en fait entre guillemets cette dernière tempête sable. Donc j'avais, allez, 4 tours. non là j'avais 7 tours, 6-7 tours pour gagner. Du coup je fais Dragon Claw sur son Aqualie, il a eu le temps de faire vœu. J'ai anticipé ça donc en faisant Iron Head qu'il allait renvoyer son Gardevoir. Soit il a envoyé Gardevoir en fait, soit Kershakrok. Mais Kershakrok ça faisait bon dégâts, donc c'est cool. Ensuite il me fait essayer, j'ai pas trop compris, je lui fais Dragon Claw, il envoie son Aqualie et là en fait c'est un petit peu l'erreur, il a perdu deux Poké assez bêtement, parce que simplement il va le faire maintenant, il l'a envoyé donc Talon, il a pris énormément de dégâts, certes mais il m'a fait Brave Burn, donc il l'a tué, c'est vrai que Kershakrok est, voilà, c'est c'est le Poké assez dur à tuer. Il fait Brave Burn sur Minotaupe, ça me fait quand même pas mal de dégâts et il meurt. Donc du coup la Tempête Sap s'en va, mais c'est pas bien grave, il reste que Aitran. Je le dépasse et je lui fais séisme. Voilà, au pire des cas, même s'il était plus rapide, il me tuait. Et j'envoyais Fulgurus, je turn the wave et j'envoyais la Tias. Et je pense que je le wash KO avec, avec la PC seul. Ou au pire, je le 2 HKO quoi. Lui, il peut pas me faire grand chose parce que je pense qu'il avait Steel Rocks, Toxic peut-être, Taunt. Je pense qu'il était assez axé défense en fait. Enfin, défensif quoi. Et donc, avec ouais, Lava Plum, je pense. Je sais même pas s'il avait Air Power, peut-être qu'il avait Air Power. Bref, donc, moi, ma team, donc pour en revenir vite fait, donc Minotaupe, donc je joue donc avec son talent Ben Sable, donc ça augmente sa vitesse par 2 sous Tempête de Sable, avec Iron Head, Séisme, Rapid Spin et Rock Slide, donc pour les Flambusards, Dracofeu, etc. Ensuite Tyranocif, donc en fait je joue avec la roche pour augmenter la tempête de sable, donc elle passe à 8 tours au lieu de 5, donc c'est vraiment une bonne attaque. Ensuite donc je joue avec Machouille, Fire Blast, Lame de Rock et Thunder Wave. Voilà, c'est un petit set plutôt défensif, plutôt sympathique. En fait ouais voilà, j'ai plus mis des flags un peu pour les noisiers qui font un petit peu voilà, qui sont un petit peu embêtants. Même si c'est très prévisible, hein. T'envoies un Tyranocif sur un Noacier, le mec il va tout de suite comprendre, mais bon, au moins ça fait pression. Si on a les pièges de rock, c'est plutôt sympa. Ensuite, nous manque mon méga Kershakrok, donc je joue Dragon Claw, Séisme, Tête de Fer, Séisme, Tête de Fer, et Lame de Rock. Donc il est plutôt pas mal.
donc avec Force Sable, donc sous son talent méga évolution. Armure donc avec le Rocky Helmet, son talent Stéolier qui permet de résister à un PV s'il est full HP. Manque de coup ça aura pas servi pendant ce match, mais bon c'est pas bien grave. À cause du return de Flan Bizarre d'ailleurs. Bref, donc je joue Rocky Helmet, oui, donc je l'ai dit, avec donc Brave Bird, donc pour faire des dégâts notamment aux champignons, parce que bon, des fois les champignons ils sont un peu chiants, bref, et aussi tous les types combat, hein, voilà, combat seul, bref, combat plante, bref, donc je le joue Steel Rocks, Defog, Brave Bird et Roast, ensuite donc Thunderous. Donc mon Fulgurus que je joue donc avec Thunder Wave, Taunts, donc en fait je l'envoie en lead parce qu'au pire des cas il dépasse pas mal de poké, donc il peut faire Volt Switch. Si l'autre il veut anticiper et il envoie un autre poké, je lui fais PC Ice, donc bon, que ce soit Gliscor, Nemeteros, d'ailleurs c'est souvent Nemeteros et donc je le doue même dans sa forme avatar parce que je lui ai mis pas mal, je lui ai même mis un talent qui augmente sa vitesse, une nature qui augmente sa vitesse. Donc voilà, pour dire, c'est vraiment très bien. Donc Thunder Wave, Taunts, PC Glass, Volt Switch et la tierce, donc que je joue Healing Wish pour récupérer la vie sur un autre de mes Poké, Roost, PC Feu. Non, pas PC Feu. Enfin, en fait, j'aime bien jouer avec les deux en fait. Enfin, avec les deux. Soit avec PC Feu, soit avec PC Sol. PC Feu, c'est plus pour Inoacier. Si vous savez que c'est PC Sol, c'est plus pour Aitran en fait. Donc PC Sol et Draco Meteor pour faire des dégâts à un peu tout en fait. Bref, voilà, merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Elle est pas très longue, mais bon, je pense que c'est bien pour ma première vidéo. Merci à vous d'avoir regardé cette petite vidéo. On se retrouve très bientôt pour une prochaine. A plus tout le monde, c'était Exa.